Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia, car le Seigneur que tu as mérité de porter, Alléluia, est ressuscité comme il a dit, Alléluia, prie Dieu pour nous, Alléluia. Réjouis-toi, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a fait briller la joie dans le monde, daigne par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère, nous conduire à la joie de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les lectures du samedi 7 mai 2022. Lue par la sœur Sophie Catania de la Congrégation des Sœurs Missionnaires de Notre-Dame des Apôtres et le diacre Achille Alaglou de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Jacob Senou de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 9, versets 31 à 42. En ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient Lourdes. Il y trouva un homme du nom d'Énias, alité depuis 8 ans, parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énias, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt, il se leva. Alors tous les habitants de Lourdes et de la plaine de Saron purent le voir et se convertir en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorcas, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre,
on la déposa dans la chambre haute. Comme Lourdes est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent deux hommes avec cet appel. « Viens chez nous sans tarder. » Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves en larmes s'approchèrent de lui. Elles lui montraient les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre lui donna la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 115. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Saint Jean, au chapitre 6, versets 60 à 69. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. » La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit. Que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent
et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Voici les mots d'action de grâce que le psaume de ce jour nous invite à reprendre. Pour quelles raisons? Chacun et chacune de nous trouvera les siennes pour rendre grâce et je pense que nous en avons tous. Pour Jésus, la raison de rendre grâce est que nous avons la chance de trouver dans ses paroles la vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Chez les éveillés, au sud du Togo, c'est facile de comprendre que l'absence de l'esprit, appelé Bobo, est signe de non-vie, c'est-à-dire de mort. Ramener de la mort, c'est redonner le souffle de vie, redonner le mouvement et la parole. C'est ce que Pierre a fait par deux fois dans la première lecture de ce jour. Je dis bien par deux fois, parce que pour dire « lève-toi » à Énéas et à Tabitha, le même mot grec est utilisé, « anastéti », mot de la résurrection dont certains d'entre vous portent les noms, comme Anastase ou Anastasia. Par Jésus-Christ, qui est le Verbe de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, les premiers chrétiens étaient capables de redonner le souffle de vie et le mouvement à leurs frères et sœurs. À nous aussi, Jésus laisse les mêmes paroles de la vie éternelle. Il y a aussi dans nos sociétés des personnes qui sont abattues par la souffrance, alitées, des personnes qui sont meurtries par le rejet, des personnes à qui les violences familiales et conjugales ont imposé le silence et donc la mort. Il y a encore chez nous des personnes qui ont la mort dans l'âme à cause des injustices qu'ils subissent. Il y a peut-être, pas loin de nous, des personnes qui étaient des gazelles comme Tabitha, pouvant offrir des bonnes œuvres dans le passé et qui sont aujourd'hui affaissées par des déceptions. Puissions-nous visiter aujourd'hui ces personnes dans leur situation? Trouver une parole de vie éternelle pour elles. Travailler à changer leur situation et pouvoir leur dire « Ma sœur, mon frère, anastéti, lève-toi, le Seigneur Jésus te guérit et te redonne la vie. » Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous